Je m'excuse les potes, mais vous allez voir que mon micro coupe pas mal de temps pendant la vidéo. Je m'en excuse énormément les frérots. Mais voilà, le problème sera réglé pour la prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Mais voilà, durant cette vidéo, le micro coupe un peu. Du coup, je m'en excuse à l'avance, voilà. Après avoir tué Gotaga, Mr. Savage, What do you mean? How does he get through that? What the fuck? Ou encore même Benji Fishy. Oh! Oh my god! What? Il revient aujourd'hui pour tuer mon Graal et Mitro. Et oui, les amis, vous ne rêvez pas. Je suis tombé dans la partie de mon Graal et de Mitro sur Fortnite Battle Royale. Autrement dit, le meilleur duo du monde actuellement sur Fortnite. Et j'ai réussi à les tuer tous les deux d'affilée en plus. J'étais genre trop content quand je l'ai appris parce qu'au début j'avais pas remarqué tout ça, tu vois, parce que j'étais dans le feu de l'action en partie et j'avais même pas remarqué que j'avais tué mon Graal et Mitro. Et bien évidemment, on n'oublie pas, hein. Ça on n'oublie pas, le code créateur UMS, voilà, qui est juste ici. Vous le connaissez maintenant, le U, le M et le S. Vous allez dans la boutique d'objets sur Fortnite Battle Royale, les frérots. En bas à droite, t'as un petit truc, quoi, ça s'appelle soutenir un créateur. Tu cliques dessus et là tu mets UMS pour Unknown My Skin. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Ça fait plaisir. S'il y a écrit créateur soutenu MS en haut à droite de ton écran, ça veut dire que c'est bon. Et ça veut dire que je t'aime beaucoup. Voilà. Donc merci beaucoup à toi. Mais le code créateur UMS. Alors du coup les frérots, on est parti pour voir cette petite partie ensemble. Alors c'était en live, voilà, c'était pendant le tournoi solo de ce week-end, du week-end dernier. Le tournoi solo qui permettait de simplement de se qualifier pour la Coupe du Monde à New York de Fortnite. Alors du coup c'était dans ma dernière partie les amis du tournoi. J'ai eu énormément de chance de tomber sur eux durant ma dernière partie. C'était ma toute dernière partie, tu vois, que je pouvais faire. Et je suis tombé sur mon Graal et Mitro, les amis. Pour ceux qui savent pas, c'est l'un des meilleurs duos du monde sur Fortnite actuellement. En ce moment, voilà, il faut des trucs de gros tournois. Et du coup, voilà. Alors là, je drop à Loot Lake. Et je vais les rencontrer. Alors, mon Graal, c'est pas un fight de ouf. Tu vois, c'est pas un fight de malade. Parce que là, voilà, vous allez voir. Alors, je sais pas si ça va se voir. Ah, attends, je sais pas s'il est là. Il atterrit là-bas, ok. Alors là, il atterrit là. Là, dites-vous qu'il est en dessous. Voilà, là, il est en dessous. En gros, il y a un pistolet à silex, tu vois. Et en gros, là-bas, il y avait un pompe tactique. Je suis pas allé dessus. J'étais là en mode, mec, j'ai pas pris le pompe tactique alors qu'il y en avait un. Et du coup, je cours sur le pompe tactique parce que je sais qu'il est en dessous. Et je sais qu'il peut pas monter. Je cours comme un malade sur le pompe tactique. Je le prends. Et là, il est là. Voilà. Non, il est là, voilà, il est là. Là, c'est mon Graal. Et j'avais pas remarqué au début, j'avais pas du tout remarqué, j'avais pas du tout que c'était lui. Et du coup, il a pistolet Silex. Et regardez. Il arrive à me toucher. Et là, on va aller en bas à gauche. Je sais pas si on va pouvoir voir, mais il écrit Secret, mon Graal, les frérots. Secret parce que c'est sa team. Voilà, pour ceux qui savent pas. Et voilà, on a même Atlantis Mitro qui vient de tuer un mec. Vous allez voir où il est, Atlantis Mitro. Vous allez voir où il est. Alors, du coup, voilà, je tue mon Graal. Il avait un pistolet Silex. Du coup, voilà, il avait pas trop de chance en vrai. C'était pas un fight de ouf. Voilà, ça, je m'en fous en vrai. C'est pas un fight de malade. J'en ai pas rien à faire de ce fight parce que j'avais l'avantage. Clairement, j'avais l'avantage. Par contre, je sais pas pourquoi il est pas allé sur le pompe tactique. C'est dommage, il aurait grave pu tuer. Que j'avais fait une très grosse erreur de pas aller dessus. Il aurait pu foncer dessus. Il m'aurait arraché. Genre, très clairement, il m'aurait démonté, quoi. Voilà. Alors, du coup, là, je loot tranquille à Loot Lake, tu vois. Et pendant ce temps-là, Mitro est à l'autre bout de Loot Lake. Faut savoir qu'il y a que des très bons joueurs dans ce tournoi. Il y a vraiment que des très bons joueurs, les amis. Fallait être Ligue Champion. Déjà pour pouvoir faire le tournoi. Voilà, il y avait que des excellents joueurs dans ce tournoi. Alors là, voilà, je me loot tranquille. Tac, bon, pas très intéressant. Et là, vous allez voir. Il m'a push direct. Là, du coup, je vais loot le coffre en haut. Tu vois, tranquillement. Je prends le pompe chasseur bleu. Je vais boire la slurp, je crois. Ouais, je bois la slurp, en effet. Je prends le pompe chasseur bleu. Et là, vous allez voir où il va apparaître. Là, vous l'avez entendu sauter. Je crois que vous l'avez entendu sauter. C'est Mitro qui a sauté. Du coup, je vais casser le mur. Et là, lui, il est devant. Là, je l'ai entendu. Et je l'ai clairement entendu. Il est devant. Voilà, là, il me tire dessus. Pourquoi est-ce qu'il me rush? Moi, c'est ce que je suis en train. Est-ce que vraiment mon gars lui a donné l'information? Je sais pas. Comment je pourrais pas vous dire. Mais c'est très chelou. Bref, il m'a rush. Voilà, il m'a rush. Du coup, moi, j'ai un peu flippé. Et ok, je vais me boxe. Je vais me boxe. Je vais prendre mon temps. Je vais pas jouer agressif. Je me boxe. Je remplace tout, bien évidemment. Là, il essaie de reprendre mon mur. Malheureusement, il va pas y arriver. Il va essayer un peu de jouer avec les murs. Et là, directement. Hop là. Il s'attend pas. Oup. J'édite mon sang. Pouh. Ça part. Et là, je réédite juste à droite. Directement pour voir le réflexe. Simplement de surprise. Et je lui mets un autre. Moins 100. Et voilà.
Je suis un peu le mec. Tac, là, je suis un peu le mec parce que je pense que Mitro, il m'encule en vrai. Hein. Mais voilà, j'ai réussi à le tuer. Et du coup, ouais, je sais pas si ça se voit en bas à gauche dans le chat, mais bref, il écrit Atlantis Mitro, mais avec la qualité, je crois que ça se voit. Et du coup, voilà, il avait fait un peu le mec en vrai, en me pushant comme ça, sans savoir ce que j'avais comme stuff, sans savoir mes HP, rien du tout. Je pense qu'il avait juste voilà, envie de me push ou quoi, et pensait qu'il allait me kill facilement. Et non, mon pote, et non. Du coup, là, je vais vous montrer la suite de la game, parce qu'il se passe un autre truc à la fin. Vous allez voir, c'est incroyable, j'ai rencontré trop de joueurs pro dans cette game, c'est un truc de malade. Alors du coup, je vais directement loot le tech tranquillement, voilà. Donc du coup, déjà, ça me fait 2 points, ça me fait 2 kills. Ça me fait 2 kills, 2 points les amis, déjà dans ce tournoi. C'est vraiment pas mal, tu récupères 2 points en début de partie. J'ai un lance-roquette, je sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai un lance-roquette, une AK bleue, un pompe, une slurp, 6 mini. Vraiment, je suis pas mal. Je suis vraiment pas mal parce que ouais, j'ai un lance-roquette en or quoi. J'ai un lance-roquette en or. Et là voilà, j'arrive même à ramasser une SCAR. Oh. Là en vrai je suis pas mal. Là en vrai je suis vraiment pas mal pour la suite de la game. Alors là voilà, je suis allé camp pirate justement parce que j'ai vu qu'il y avait personne en fait camp pirate. Là je vois un mec qui vole. Hop là, directement, je prends la vision sur lui pour voir où est-ce qu'il va. Je lui mets 2 balles dans le blanc. 2 balles. Donc, en gros, il lui reste, normalement, s'il avait 100 HP blanc, il lui reste 58 HP dans le blanc. Et en gros, c'est presque un free kill. C'est presque un free kill. S'il est dans le blanc, ça veut dire qu'il n'a pas de shield. Et que du coup, voilà, je peux facilement récupérer un kill sur ça. Donc, 1 point gratuit. Et là, je vais essayer, malheureusement, de balancer une roquette dedans en spammant à la SCAR le mur pour que, tu vois, la roquette, ouh, elle rentre dedans, elle le tue. Là, je mets l'OHP le mur. Comme ça, j'ai juste à le finir. Et malheureusement, la roquette ne passera pas. Et du coup, je le laisse. Voilà, je prends pas plus de risques. Je crois que je suis extrêmement loin de la zone. Voilà, je vais juste, comme je le dis, prendre mon canon cassé. Tranquillement. Là, j'entends que ça fight. Ah oui, là, ah oui, je me rappelle. Là, j'entends que ça fight. Oh, il y a un collier là. Oh, faut que je le prenne. Il me faut le collier. Il me faille, s'il vous plaît, dans le collier. Oh, t'as le collier déjà joué. Je vois que le collier est aussi joué. Et là, je vois que ça fight énormément. Je sais plus ce que je fais là. Ah, j'essaie de passer une roquette parce que je vois que en gros il y avait une fenêtre. Malheureusement, ma roquette elle a pas passé. Je remplace les murs. J'essaie de jouer un peu safe parce que je sais que si je perds une game comme ça avec un stuff comme ça, je vais avoir la haine. Et du coup, voilà, je joue safe. En fait, je me casse. Super décision. Je vois qu'il y a trop de personnes autour de moi. Que j'ai pas forcément de stuff pour pouvoir agresser, mis à part le lance-roquette. J'ai pas par exemple de grenades empoisonnantes. J'ai pas de dynamite ou bien de semtex. Je vais juste me casser. Très très bonne décision de ma part en vrai. J'ai pas pris de risque de pouvoir fight. Je vois que la zone est tellement loin. Il faut que je cours maintenant. Sinon je vais jamais l'atteindre la zone, tu vois. Et je vais juste crever. Tu vas pas essayer de me tirer dessus au barrette, non? Et là y'a un mec qui fait une barrette. Oh putain. Cette balle de barrette, je vous le dis, cette balle de barrette, mec, elle m'a. Je crois que c'est la balle de barrette qui m'a fait le plus flipper sur tout Fortnite. Si cette balle de barrette me touchait alors que la zone était loin, j'étais dans une. Oh, une mouise, vous pouvez pas savoir. Et du coup là, coup de bol, je trouve quelque chose pour pouvoir me déplacer. Un overboard, ce qui est pas mal du tout, un overboard. Il bug un peu quand même. Et du coup, je me déplace avec l'overboard pour pouvoir aller un peu plus vite. Même si je crois que je suis pas le meilleur conducteur d'overboard. Attends, on va voir ça tout de suite. Exactement, le joueur franco-marocain qui va essayer de monter la montagne avec l'overboard. Est-ce qu'il va galérer? Oui, il galère. Oui, je m'en souviens. J'ai galéré pas mal de temps sur ça. Quoi? Voilà, et j'ai failli perdre de la vie même, parce que je sais pas conduire. Et je crois que je vais perdre de la vie, ouais je perds de la vie, voilà. Je perds de la vie parce que je sais pas conduire un overboard. Oh c'est la honte. C'est la honte en vrai hein. Je vais essayer d'avoir mon permis d'overboard assez rapidement. Je me place ici, je suis en zone, ce qui est vachement cool. Je vois qu'il y a un colis ici, du coup je vais me placer au colis. Parce que en fait je crois que j'avais pas de tremplin ni de faille. Et du coup, c'était compliqué sans tremplin ni faille de faire une fin de zone, d'essayer de gagner la game. Ça va être compliqué. Parce qu'en gros, dans une game, les amis, dans une game de tournoi, si vous n'avez pas de quoi bouger, comme par exemple un tremplin ou bien une faille, et encore, je sais pas moi, genre une boule, voilà. Si vous n'avez pas ce genre de choses-là, c'est très compliqué de vous en sortir en fin de partie parce que les zones, vous commencez à bouger. Et si vous n'avez pas de quoi bouger, bah, vous allez simplement vous faire tirer dessus pendant que vous allez aller à l'autre zone. Et voilà, c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple si vous avez des tremplins ou bien des failles, ou bien ce genre de choses, en fin de partie de tournoi. Je fais tomber le colis, tac, boum, boum, je récupère et je trouve quoi dedans? Ouais, de la merde. On rappelle, c'est de la merde. Oh, c'était de la merde, je voulais pas ça. Hein. Moi, j'étais là en mode, un tremplin ou une faille, ou bien c'est de la merde. Voilà, très clairement, j'ai pas eu de faille ni de tremplin, du coup pour moi c'était nul. Oh ouais, la grosse erreur de ma part. Oh, grosse erreur de ma part, vous allez voir. J'ai fait deux grosses erreurs.
Sur cette partie, j'ai fait deux grosses erreurs. Je vais vous les montrer, comme ça, peut-être vous n'allez pas aller faire si vous faites des tournois ou quoi. Alors, du coup, je vois que la zone est très très loin de moi quand même. Que voilà, elle va bouger dans 25 secondes. Du coup, je prépare mon overboard. Ça, c'est pas mal. Je regarde, je vérifie que le overboard est dans le bon sens. Parce que s'il est dans le mauvais sens, je peux te dire que c'est compliqué. Au moment où la zone elle bouge et que ton overboard est dans le mauvais sens, t'es dans la merde. Voilà. Du coup, je vérifie, je monte dessus. Pour voir s'il est dans le bon sens. Je vois qu'il est dans le bon sens. Tac, j'édite et je suis prêt à bouger. C'est là où ça va être compliqué. Là, les mecs, là, ça va être compliqué. Là, il va falloir gérer. Là, vraiment, il va falloir gérer. Et vous allez voir que je vais pas gérer. Le permis de voir border va devoir se jouer. Et vous allez voir que je vais pas gérer. Vous allez voir que je vais pas gérer. Malheureusement. Là, je tape un boost, c'est pas mal. Et là, grosse erreur, je saute de mon overboard. Là, je casse une bulle parce que. Voilà, grosse erreur encore une fois. Je casse une bulle alors que je peux la prendre. En fait, je croyais qu'il y avait quelqu'un dedans. Et que du coup, voilà, j'allais simplement casser sa bulle. Et du coup, il allait tomber, tu vois, il allait plus être dans sa bulle. Sauf que c'était une bulle dans laquelle il y avait personne. Je suis con. J'étais persuadé qu'il y avait un mec dedans. Et bah non, bah t'es con, gros. C'est tout. T'es persuadé que t'es con. Voilà, c'est tout ce dont t'es persuadé. Je pensais qu'il y avait un mec dedans. Ouais, ouais, tais-toi. Tu dis de la merde. Tu dis de la merde là. Alors, du coup, j'essaie de reprendre la hauteur de cette manière. Ce qui est pas mal en vrai. Et là, vous allez voir. Grosse erreur encore une fois. Putain, j'ai fait énormément d'erreurs. En vrai, en regardant mon gameplay, j'ai fait énormément d'erreurs. Très important de regarder ces gameplays, les amis, si vous voulez vous améliorer. Alors, là, du coup, j'essaie de casser et de tirer une roquette. Elle va pas passer. Pas de chance. Je vais recharger mon lance-roquette. Je vais essayer d'en retirer une. Et celle-là qui est vraiment pas mal. En vrai, cette roquette est vraiment pas mal. Pas celle-là. Là, je lui enlève 36 de shield. Ce qui est pas mal en vrai. Et vous allez voir que ce mec-là, je vais vraiment m'acharner sur lui. Là, je vois qu'il avance vers là. Là, vous voyez, je le vois. Et du coup, je me dis, ok, il y a un arbre ici. Et avant d'avancer, tu fais quoi à l'arbre? Casse, mon pote. Tu casses l'arbre pour pouvoir récupérer des matériaux. Sauf que moi, je me suis dit, pendant qu'il va casser, je vais tirer la roquette devant. Ici, tu vois. Juste ici. Comme ça, le mec, quand il va être là en train de casser son arbre, boum! Rocket in your face, baby. Et là, il se la touche. Moins 121. Ouf, ça part. Et là, ce mec-là, je vais me dire, ok, je lâche pas. Je lâche pas. Grosse erreur. Les mecs, faut jamais être gourmand au niveau des kills. Je vais essayer de me mettre à côté de lui et de remplacer sa construction pour pouvoir le rush, simplement. Tac, je passe ici. Là, je rentre dans sa constru. Enfin, pas dans sa constru, mais je me mets devant lui. J'essaie de remplacer la construction. On n'oublie pas que la zone avance. La zone est en train d'avancer et je suis en train d'essayer de remplacer une construction d'un mec dont je veux avoir le kill à tout prix. Grosse erreur de ma part. Là, le mec, il a aussi la zone qui avance. Du coup, il passe par au-dessus. Je lui mets un moins 100. Pouf, ça part, moins 100. Et là, à votre avis, c'est qui est au-dessus? À votre avis, c'est qui est au-dessus en train de récupérer le kill que j'ai mis grave low HP et qui va aussi me tuer. À votre avis, c'est qui? Dites-le dans les commentaires. Si voilà, mettez pause et dites, vous pensez que c'est qui dans les commentaires. Du coup, là, je le tue. Et là, voilà, au-dessus. Mister Savage, les amis, qui me tue. Aïe, 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 il y a trois joueurs pro. En fait, dans cette partie, j'ai rencontré trois gros joueurs pro. Voilà, c'est les trois. Parmi les meilleurs joueurs du monde, j'en ai rencontré trois. Ça fait plaisir. J'en ai tué deux et il y en a un qui m'a tué. Donc, GG à lui. Malheureusement, Mister Savage, il va mourir juste après, je crois. Voilà, il a essayé de mettre, je crois, un tremplin, malheureusement. Il n'a pas eu le temps de le mettre. Pas de bol pour lui. Et du coup voilà, bon bah c'est comme ça que j'ai tué mon Graal et Mitro les amis, que Mr Savage m'a tué. Du coup gros GG à eux bien évidemment, voilà, mon Graal c'était pas un fight de ouf, on va pas se mentir. Mais Mitro il a voulu me push, il a cru que j'étais un petit Bambi. Je me suis bien défendu, on va vite se revoir le fight contre Mitro. Parce que mon Graal voilà c'était pas vraiment un fight, en vrai c'était juste on spawn et j'arrive à le tuer quoi. Parce que je récupère l'arme avant lui, enfin pas avant lui mais je récupère l'arme quoi. Du coup voilà Mitro, hop il arrive. Cover là, reflex shot, pouf, j'édite. Il s'y attend pas. Moins 100, boum. Et là, je réédite. Moins 100, boum. Et ouais, Mitro, ça dégage, mon pote.